Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Surban. En dessous de cette vidéo, tous abonnés, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche pour manquer nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est très simple. Vous pouvez faire des dons sur Western Union et PayPal. Toutes les informations se trouvent dans la description en dessous de cette vidéo. Mes frères et sœurs, vous devez savoir quelque chose. Vous devez savoir que si vous êtes en vie, si vous êtes en vie seulement, c'est la grâce de Dieu. Lève les mains vers le ciel, comme ça. Dis merci Seigneur Jésus. Merci Jésus de ce que je suis en vie. Dis Seigneur merci pour tout. Merci mon Dieu de ce que je suis en vie. Parce que la vie que vous avez, c'est plus que l'argent. C'est plus que les belles voitures, les belles maisons, toutes ces histoires. C'est la grâce de Dieu. Parce que pendant que vous êtes en vie, il y a des gens qui sont morts. Ils sont même en train de souffrir. Certains ne savent même pas où ils vont. Ah, mes frères et sœurs, même il y a certaines personnes qui sont même en train de mourir. Ah, mes frères et sœurs, que va-t-il se passer de cette vidéo encore? Ce que nous allons vous dire, si ça vous a touché, laissez un like, nous faire savoir combien de fois vous avez été étonné. Ce témoignage était témoin très réel. Et on peut dire que ça a parti mon témoignage. Soyez prêts. Soyez prêts! Let's go! Yes! C'est comme ça se passe, il y a ce bon, non? Alors si vous êtes chaud, sautez un peu. Un frère chrétien, il est toujours chaud, il est vivant. Let's go! Hey! Si vous êtes encore en vie, mes frères et sœurs, dites Dieu merci. Dites seulement, merci Seigneur Jésus-Christ, merci mon Dieu, merci. La vie n'a pas de prix. Nous savons tous que nous sommes en guerre sur la terre. Et le diable, il existe, il est réel. Tout ce que le diable Satan veut, c'est de nous voir tous souffrir chaque jour. Il veut voir le monde dans la souffrance. Il veut voir la pauvreté s'étendre sur toute la terre. Il veut voir même les riches hommes même s'appauvrir. Il veut voir tout le monde dans le malheur. C'est ça. Même ceux qu'il appelle ses agents-là, en fait, il peut leur consommer quand il veut. C'est le méchant. On ne pactise pas avec le diable. Mais ici, vous allez voir que la sorcellerie va faire quelque chose d'encore grave. Nous savons tous que la sorcellerie, ça vient de Satan, ça vient du diable. Et la sorcellerie, c'est cette chose-là même qui n'aime pas voir l'homme réussir. C'est cette chose-là qui n'aime pas l'homme, voir l'homme prospérer à tous les niveaux. Est-ce que vous voyez? Et même quand vous travaillez sérieusement à l'école pour avancer là, vous allez voir qu'à un moment donné, là, il y aura des blocages. Et ce sont les sorciers que le diable a placés dans la famille là, qui vont se lever comme ça contre vous. Mais vous, ayez Jésus-Christ dans votre vie, accrochez-vous à Dieu jusqu'au bout, ça va aller. Malheureusement ici, ce témoignage que nous allons vous rendre, c'est grave. C'est un jeune homme qui n'avait pas Jésus-Christ, mais ça va mal tourner. Vous allez voir ce qui va se passer ici. Vous allez voir tout de suite. Écoutez bien ce que nous allons vous dire. Écoutez bien. Il y avait un homme. J'étais en classe. J'étais en troisième. Vous voyez, j'étais en classe de troisième. Et un jour, quand nous sommes arrivés à l'école, ou du moins quand je suis entré dans la classe, tout le monde était silencieux. Mais quel est le problème? Pourquoi? Franchement, je ne savais pas pourquoi. Mais quand je me suis renseigné, ils nous ont dit que notre prof de maths qui est assis là même, que je viens de saluer pour entrer là, il venait de perdre son fils, son premier fils. Qui a eu le bac, qui est allé à l'université là. Il est mort. Comment ça il est mort? Et c'est là qu'ils vont commencer à me raconter ce qui s'est passé. Le jeune était sorti, comme vous et moi. Et vous savez que les jeunes aiment beaucoup jouer au football. Il était sorti aller jouer au football comme d'habitude. Et après avoir joué au football, vous savez que quand on finit de jouer au football, on est sale, on doit se laver. Le jeune est allé dans la douche pour prendre une douche seulement là. Et là-bas, il est tombé, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait même pas. On ne sait même pas. Il est mort. Mon prof de maths, il était venu en classe, franchement. Comme c'était un garçon, il ne peut pas pleurer, c'est ça.
mais ça se voyait sur lui une tristesse profonde. Cette histoire-là, ça peut vous arriver à tous. Ça peut nous arriver à tous. Qu'est-ce qui a tué l'enfant? On ne sait même pas. Personne ne sait. Personne ne sait. Mais ce deuxième témoignage encore va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Voici encore un deuxième témoignage. Ça, c'est un cousin, un de mes cousins. Ah! Il allait s'amuser aussi à la plage. Vous voyez à la plage là? On va s'amuser. Et à un moment donné là, on entre dans l'eau. Vous voyez? Dans l'eau, bon, c'est pas profond, c'est au bord de la mer là. C'était la lagune même ce jour-là. C'était la lagune. Est-ce que la lagune là, ça a des grandes vagues? Non! Ça n'a pas de grosses vagues. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon cousin, il est mort dans l'eau là. L'eau là, ça arrivait où? Ça dépassait même pas son genou. Ça dépassait pas son genou. Comment quelqu'un peut-il mourir dans de l'eau là comme ça? Et quand il est tombé, on a remarqué que c'était des larmes qui coulaient de son œil. Et ces larmes qui coulaient de son œil là ne faisaient que couler sans cesse. Ça ne faisait que couler. Même quand il l'a amené à la morgue. Les lames là, ça descendait toujours. Quand il l'a amené même quand on devait l'enterrer, il coulait toujours des lames. Et quelqu'un a dit que là, la manière dont l'enfant est parti là, et de la manière dont il a tout coulé les lames là, c'est mauvais. Ça veut dire qu'il a été tué par la sorcellerie. Parce que c'est pas normal que quelqu'un puisse mourir dans de l'eau qui n'était pas même pas son genou. Comment il va être noyé dans cette histoire? Ça veut dire que dans le monde des sorciers, ils l'ont assommé. Les sorciers l'ont assommé. Et le sorcier qui a fait ça, là, il se trouve où? Dans la famille. C'est plus tard, la maman à ce jeune, à mon cousin, va aller voir des personnes qui vont lui révéler maintenant l'identité de la personne qui a fait ça. Mais ça s'est passé spirituellement. Comment tu vas venir devant la personne pour dire c'est toi qui as tué mon enfant s'il n'y a pas de preuve? Donc il faut monter dans quoi? Dans la prière. C'est à ce moment-là qu'il faut accepter maintenant Jésus-Christ dans sa vie. Pour que Jésus-Christ lui-même puisse faire votre combat. Parce que là, même le prof là, son enfant qui est décédé là, il est décédé, on ne sait pas qui l'a tué. Mais il est mort. Même sur la route souvent là, il y a des accidents routiers, les gens pensent que c'est normal. C'est faux. C'est tout sauf normal. C'est vrai, il y a des accidents qui sont normaux, hein, mais il y a certains qui ne sont pas, qui ne le sont pas. C'est l'œuvre des démons. Des démons qui se placent sur cette route-là pour faire ça. Ah, si tu n'as pas Jésus-Christ, comment tu vas faire? Tu as me dit peut-être que l'enfant, il allait jouer, il a eu un problème, c'est à cause de ça, il est tombé dans la douche. Tu as me dit que peut-être mon cousin, là, c'est un hasard, il est mort. Mais accident routier qui se passe là, ça peut arriver à tout le monde, même toi-même. C'est pourquoi nous avons dit, si vous êtes encore en vie, levez la main vers le ciel, dites Dieu merci, hein. Dites Dieu merci. Et c'est le moment d'accepter Jésus-Christ dans votre vie qui va garder votre vie tout le restant de votre jour. Les temps sont durs, les temps sont devenus difficiles. Les temps sont mauvais. Le diable travaille avec ses démons, avec ses agents. Be careful, attention. Be careful, attention. Satan, il est là. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Chaque jour. Ah, mes frères et sœurs, si vous êtes encore en vie, dites Dieu merci. Et si vous avez été étonné et touché par ça, laissez un like pour nous soutenir. C'est mon cousin, mon propre, ce dont je viens de parler là. Ce n'est pas un témoignage pris à côté ou à gauche, à droite. Hein. Là, il s'agit de moi-même, mon cousin. C'était un témoignage. Et le prof, c'était mon prof encore. Et les gens qui sont capables de faire des accidents là, ce sont des personnes comme vous et moi. Ça veut dire que ces choses sont réelles. Il faut faire très attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci également pour vos dons. Et nous vous disons à bientôt pour la prochaine vidéo. Que l'Éternel, notre grand Dieu, vous bénisse et qu'il vous garde. À bientôt sur Yanskripon. Waouh. Merci Seigneur Jésus-Christ. De ce que moi-même, je suis en vie. À bientôt.